La vie, c'est un combat. Pour réussir, il faut gagner des batailles. Et pour gagner une bataille, il faut des bonnes armes. L'une de ces armes, et la plus importante d'ailleurs, c'est la discipline. Sans la discipline, rien ne peut marcher. Tu peux par hasard gagner une bataille sans être discipliné, mais conserver ce titre serait un peu difficile. On a besoin d'être discipliné pour réussir sa vie. Et je sais que chez moi, mon peuple a souvent ce problème de discipline, surtout au niveau des jeunes. Beaucoup de jeunes sont indisciplinés. La discipline ici, il ne s'agit pas d'être obéissant, de faire ce qu'on attend de soi, mais d'être discipliné pour réussir sa vie. C'est vrai, c'est difficile de définir la réussite, mais réussir ici veut dire être à l'abri du besoin. Ce n'est pas le cas chez beaucoup, et le plus véritable problème, c'est au niveau de la discipline. Dans cette vidéo aujourd'hui, on parle de la discipline. Je te dis en fait comment moi j'ai fait pour être discipliné, les exercices et ce que toi aussi tu peux appliquer de ton côté pour être discipliné, car réussir sans discipline, c'est presque impossible. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitry Staffokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, aujourd'hui, on parle de la discipline. Une arme très fatale que tu as besoin pour aller en guerre. Aller en guerre sans les bonnes armes, tu peux faire la guerre 10 ans, 20 ans, il n'y aura aucun résultat. La discipline est la clé du succès. C'est vrai, d'aucuns diront, c'est quoi le succès? C'est vrai, le succès est difficile à définir d'une manière simple, mais chacun saura à quel niveau, comment lui qualifie, où est-ce qu'il se projette, comment il voit sa réussite, qu'est-ce qui réussit pour lui. Et même si tu vas atteindre une réussite, aussi petite qu'elle soit, il faut la discipline. La discipline déjà pour conserver ta petite réussite, pour être au même niveau, tu ne peux pas contourner ce petit mot. Ça sonne très simple, discipline. Je me rappelle, quand on était petit, les parents essayaient de dire « sois un enfant discipliné ». Même si ce n'est pas aussi facile pour les parents d'appliquer cette qualité. Être discipliné, ça demande beaucoup d'efforts. Je connais où mon peuple peut s'exercer pour acquérir cette qualité. Pour parler de moi, j'ai appris à être discipliné. J'ai appris à vivre selon un plan. Quand tu planifies ta vie, quand tu planifies tes activités, là, ton plan t'oblige, le respect de ton plan, autant pour moi, t'oblige à être discipliné. Je prends un exemple. Quand tu dis, demain à midi, je vais faire tel truc. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu dois faire cela. Voilà ce qu'on appelle la discipline. Aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes sont prêts à annuler même un rendez-vous de travail juste pour la futilité. Comme je disais à l'introduction, je vais te donner des exercices, un défi, et si tu relèves ce défi, alors à partir de demain, quand je dis demain, c'est pas du jour au lendemain, car la discipline demande beaucoup. Il faut beaucoup te sacrifier pour être discipliné. Le premier exercice concerne plus des hommes. Je sais que les jeunes aiment trop
faire l'amour, disons le sexe, en tant que jeune, tu peux te fixer des objectifs pour tester ta capacité à être discipliné. Tu peux dire ceci. Bon, ceci concerne plus les hommes qui sont mariés ou bien qui ont une copine qui n'est pas loin d'eux. Tu peux dire les 100 prochains jours, un peu plus de 3 mois, je ne fais pas de sexe. Tu mets ça sur ta carte, tu écris et tu signes, tu déposes quelque part. Si tu réussis les 100 jours sans faire l'amour, ta femme est là ou bien ta copine est là, mais tu te fixes cet objectif. Si tu fais 100 jours sans toucher à ta femme, là, tu viens de réussir la première étape. Ça, c'est pour les gens qui sont mariés ou une copine. Parce que bon, si on est célibataire ou n'a pas de copine, là, c'est autre chose. Il y a un autre, je vais donner un autre exercice pour toi. Généralement, quand on n'est pas marié, quand on n'a pas une copine, on peut avoir un autre style de vie qui, est un peu, qui tend un peu vers l'alcool. Et voilà le deuxième exercice. Si tu aimes l'alcool, si tu aimes boire, d'ailleurs, je sais que c'est le sport favori de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Quelqu'un avait chanté, tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu meurs. Mais ce qu'il a oublié de préciser, c'est que en buvant, tu meurs plus tôt que celui qui n'a pas bu. L'alcool, c'est comme un poison. Tu prends petit à petit et là, ça entre dans le système et ça te tue aussi petit à petit. C'est comme la drogue. En effet, c'est une drogue autorisée qu'on vend aux hommes. Et les gens ont l'habitude de dire, je bois pour noyer les soucis. Ils oublient d'ailleurs que les soucis ont appris à nager. Donc, l'alcool et les soucis sont devenus des meilleurs amis. D'ailleurs, soucis, noyer les soucis, déjà, on ne noie pas ses problèmes dans l'alcool. Si aujourd'hui, tu as un problème, tu saoules, demain l'alcool va un peu finir dans ton sang et tu seras confronté au problème d'hier. Donc, en quelque sorte, tu ne peux pas enterrer tes problèmes juste avec l'alcool. Pour toi qui aimes l'alcool, tu peux te fixer cet objectif. 100 jours sans goûter à l'alcool. Est-ce que c'est dur? C'est possible? C'est faisable? Moi, à ce qui me concerne personnellement, la dernière fois que j'ai bu un demi-verre de vin, c'était pendant Noël. Donc, ça va faire pratiquement plus de 7 mois que je n'ai pas bu l'alcool. C'est vrai, l'alcool, il y a des aliments, les jus, certains fruits qui contiennent déjà l'alcool, mais l'alcool déjà filtré, je n'ai pas bu. Parce que normalement, quand tu manges les cerises, déjà, c'est avec ça qu'on fabrique l'alcool, donc qu'on fabrique le vin autant pour moi. Donc, tu consommes déjà le vin. C'est vrai qu'il faut laisser, c'est un processus, tout ça se fermente pour donner l'alcool. Mais sinon, déjà, les fruits, c'est l'alcool peut-être avec un petit dosage. Je reviens à toi. Tu dois donc essayer de passer 100 jours de ta vie sans boire. Avant, tu buvais tous les jours et tu te décides du jour au lendemain de ne pas boire 100 jours, plus de 3 mois. Est-ce que c'est difficile? C'est bien faisable. Voilà donc ton exercice. Et si tu réussis ces 100 jours sans boire, tu viens de gagner un point et voilà la route du succès que tu es en train d'emprunter. Ça, c'était pour les gens mariés. Ou bien les gens qui ont une copine et les gens qui sont mariés à l'alcool ou bien qui ont pour meilleur copain l'alcool. Il y a aussi un exercice pour toi. Généralement, quand on boit, on fume. Ou bien quand on fume, on boit. Ou bien si on est accro au sexe, on fait les trois. On fume, on boit, on est derrière les femmes. Le quatrième exercice, non, le troisième, autant pour moi. C'est si tu es fumeur, veut dire si tu aimes fumer, veut dire ton sport favori c'est la cigarette. Voilà un bon exercice pour toi. Si tu veux te discipliner, essaye aussi
Écris sur un cahier, écris sur un papier et tu signes que les 100 prochains jours, je ne vais pas toucher à la cigarette. Et si tu parviens à faire cela, là, tu viens de réussir un pari qui t'amène vers le succès. Et comme je t'ai dit à l'introduction, c'est difficile de définir le succès, mais si toi, tu peux arrêter de faire ce que tu aimes, je dis vraiment ce que tu aimes, là, c'est être discipliné. Et je vais ajouter un petit bonus, le sport aide aussi à se discipliner. Ça peut être le foot, le jogging, bref, tout ce que tu veux. Ça peut être fitness ou bien un sport joué avec les amis, ça aide beaucoup. Si c'est que les amis jouent chaque week-end, chaque samedi, et que tu as un peu le temps, et que tu as le temps samedi, tu peux dire les 100 prochains samedis, j'irai là-bas. Et tu fais les efforts d'être là-bas. Ou bien si tu veux aller jogging, si tu veux aller courir, tu peux dire je cours 2 fois par semaine. Et les 100 prochaines semaines, tu dois courir 2 fois. Ça aidera beaucoup. Ça permettra de te discipliner. Ça te permettra de travailler la discipline. Car sans cette discipline, c'est difficile de réussir. Même si tu parviens à réussir par hasard, on ne sait jamais, maintenir cette position de réussite ne sera pas évident sans la discipline. J'ai pensé à parler de la discipline à mon peuple. Je sais ce qui se passe. Beaucoup de jeunes ne sont plus prêts ou ne peuvent pas se discipliner. Même quand on veut, on n'arrive pas parce que la discipline demande beaucoup d'efforts et de sacrifices. Est-ce que tu es prêt à te sacrifier? Est-ce que tu es prêt à faire 100 jours sans l'alcool? Est-ce que tu es prêt à faire 100 jours sans le sexe? Est-ce que tu es prêt à faire 100 jours sans cigarette? Bienvenue sur le chemin du succès. C'était tout pour aujourd'hui. Je suis en déplacement, comme tu peux constater, mais j'ai pensé à parler de ce thème, un simple mot qui paraît facile, mais est la clé du succès. Merci de m'avoir suivi. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification. Partage aussi la vidéo. Like la vidéo pour encourager l'artiste. Merci de m'avoir suivi une fois de plus. Et surtout, porte-toi bien et à dimanche prochain.